dans la suite de nos aventures donc sur Fallout New Vegas. Et là, écoutez, nous allons partir à la chasse de Griffmore. Donc, en nous aventurant dans la caverne des vents hurlants, un endroit somme toute assez violent. Donc voilà, l'idée ça va être de commencer par nettoyer une patrouille qui généralement se situe à cet endroit. Et qui a l'air d'avoir un petit peu buggy. C'est d'autant plus important que c'est des bestioles qui sont assez compliquées à vivre. On est sans armure assistée avec nos armes de base. Et on va tenter de s'en sortir comme ça. Là, tout va être question de précision dans nos attaques. On va devoir rester quand même assez prudent. Là, on a Rex qui est là. Elle est là. Mais par contre, ils ont disparu. Et ils sont mis à courir comme des fous. Et je dois vous avouer que j'ai pas envie de me les rencontrer tous en même temps. Parce que là, ça risque de piquer beaucoup. Quand même en mode caché. Essayez de voir si on les retrouve. Ouais, ils sont là. Vous voyez. Ils sont ici. Et il faut qu'on ait l'avantage de suite. Donc, hein, vous avez compris. L'idée, c'est pas du tout. Et c'est sans sortir. Là. Hop. Vite que je passe en munitions perforantes pour le coup. Ok. Les autres sont là-bas. Lui, il en a eu rien à foutre de son pote. Ah, bien joué. Parfait Rex. Passe derrière mamie mon bout de chou. Enfin, si Rex en plus est en mode trop badass. Donc c'est à dire que Rex peut les faire tomber. Et ça... Voilà. Bon. Ça c'est très bien. Ça c'est très bien. Donc ce qui fait qu'on a nettoyé en fait cette entrée. Car en gros je m'étais déjà baladé une fois pour aller voir ce qui s'y passait. Je m'étais fait ruiner. Du coup je me suis barré, donc j'ai monté un peu de niveau. Et eux en fait étaient sortis de cette zone. Je les avais attirés ailleurs pour pénétrer dans la zone. Et donc c'est maintenant que le challenge commence. Un petit élément. Je vous avoue, c'est vraiment une zone qui me fait peur, donc je vais sauvegarder avant. Parce qu'on va nettoyer quand même cet épisode. Et l'idée, en fait, ça va être de les attirer dehors. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais dire à Rex d'attendre ici. Est-ce qu'on peut lui demander d'attendre? Attends ici. On va les attirer dans des guet-apens. En fait, si je rentre avec tous ces tirés de suite, en fait ils vont, mamie sera là ils si vont tu attirer as besoin beaucoup de... trop de monde en fait. Moi je vais vraiment y aller en mode furtif. Et on va y aller. Voilà. Et c'est de les attirer un par un. Un par un, c'est pas vraiment des menaces. Voilà, toute proportion gardée, bien évidemment. Quand je dis qu'ils font pas mal, c'est juste que ça fait quand même. C'est plus facile à gérer. On entend un là. Hop, on va ressortir.
Et la même chose, on va le pourrir. Voilà. Voilà comment on va déjà au moins nettoyer cette première partie. Sors. Parce que là honnêtement ce serait con de crever. Non, restons concentrés. Là, je vais la tête. Voilà. En plus vous avez Rex qui le fout à terre. Et là il n'y a aucun respect. Ça je vous le dis tout de suite, il n'y a vraiment aucun respect. Je veux dire, eux quand ils m'humilient, il n'y a aucun respect. Par contre, vous avez vu ma vie à quel point elle est tombée. C'est pour ça que je vous dis, on rigole pas du tout avec eux. Du coup, on va même se prendre un petit steak de gecko. Voilà, le deuxième. Et on va avancer prudemment. Là, a priori, j'aurais pu rentrer avec mes collègues. Ah, celui-là a bien piqué la tête. On va attendre. Je suis quand même en mode danger, hein, donc... Je vais leur dire de me suivre. Très bien, trésor, en route. On va pouvoir rentrer dedans, je pense. Hop. Aussi. C'est possible qu'ils m'attendent à l'intérieur. Hein. Non, ça va. Il est pas venu. Peut-être il est bugué. Écoutez, il était peut-être bugué. Pour le coup, je m'en fous en fait. Hein. Tous les coups sont bons. Ces saloperies. What? Comment ça, Rex est mort? Attendez, quelque chose, j'ai pas compris. Ok. Allons-y, nous sommes en mode prudence, tout de même. La progression ça, de cette petite caverne fort charmante. Je pense qu'on va faire pareil, on va leur demander d'attendre ici. Toi, tu vas attendre ici. L'idée c'est qu'ils foncent pas dans le tas et qu'ils m'attrapent un peu tout ce qui bouge quoi. C'est le seul et unique passage. Ils sont quand même beaucoup. J'avoue, je le sens quand même mal. Tiens, on va 1, 2, 3, 4. Il va falloir attendre la bonne opportunité pour tirer. Je peux lui en coller une, est-ce qu'il y aura tout seul? Je crois moyen quand même. Un petit, un grand, je peux m'en sortir. Si je me tape les trois grands, je suis foutu. Rex, s'il te plaît, calme-toi. Faut vraiment être patient et attendre le bon moment pour tirer. Là, typiquement, au moins on est un peu anthropologue, hein, parce que. Anthropologiste, je ne sais plus. Mais on voit la vie des animaux en tout cas.
Partir à mon avis en live. Si je les attaque, bon, il a bugué. Je sais que je m'en sortirai pas. En tout cas, mes compagnons et moi, on se sortira pas. Il faut vraiment que j'arrive à pouler au poil de cul. Après, est-ce que je peux tenter un truc de bâtard? Ils font pas trop de dégâts, mais non. Petit est mort. Alors, est-ce que du coup j'ai pu en délink 1? Apparemment, pas trop, quand même. Pas trop. Bon, ils ont vu que Billy était mort. Les deux gros sont là. À côté de Billy, est-ce que je peux peut-être pop? Bon, je le fais de manière lâche, complètement lâche. Hop, faire une sauvegarde. C'est qu'on a tué Billy. Moi, j'aurais bien me le faire lui là. Oui, je passe qu'en mode prudence au final. Bon, je l'ai pas touché, je suis un peu déçu. J'avoue. Mais voilà, si je peux juste me le faire venir là tranquillement, sans alerter toute la familia, ouais, c'est tout ce que je veux. Donc là oui, là on la joue vraiment fine. Bon, ils sont en train de se repentir sur la tombe de Billy. Ils sont en train de le manger, je ne sais pas. Je ne connais pas encore très bien les mœurs des griffes morts de la région. Avec Billy, très bien, c'est de la tristesse. Billy est mort. Je vous jure, j'ai un acquis de conscience que je suis très bien que je peux le tenter. Mais il est super loin là-bas. Il est super près. Putain, mais comment que ça a même pas touché quoi. Prudence, messieurs, dames, prudence. On l'a peut-être excité un petit peu. Ah non, on l'a peut-être excité. C'est pas grave. Le film. Pour la prochaine fois, parce que il est un peu trop loin. Bon, j'ai pris un coup, ça m'a remis les omoplates en place. Oula, ce morceau de steam pack quand même. Ma technique de lâche a bien fonctionné.
Et bah du coup, on va pas s'en priver, on va continuer. Là, ça devrait être normalement un peu plus facile. Hop. Que lui s'éloigne. Toute la familia. L'idée, voilà, c'est ça, c'est qu'il vienne tout seul. Putain. Il va venir. Yeah, fuck you. Toi, tu m'as pris pour la dinde. La dame du coin. Allez, viens. Et là, tu vas tomber dans mon piège, mon gros. Oh non, mais il en a rien à foutre. Non, mais arrête, arrête. Là, ouais, mais t'es tombé sur Rex. Et Rex, c'est un putain de bâtard, mon gars. Et ouais, c'est ma biatch. Bien joué, Rex. Du coup, ce que je vais faire, c'est comme vous. Toi, tu vas bien, trésor. Rex, arrête de reculer comme un débilos. Rex, suis-moi, Rex. Voilà, viens ici. Oui, c'est mignon. Allez. Rex. Voilà, couché, Rex. C'est un peu fastidieux, je l'avoue, mais c'est la seule solution pour survivre, tout simplement. Pour éviter une agro de masse qui est synonyme de mort, clairement, dans cette zone. Là, si on pouvait lui en coller deux ou trois dans la face. Typiquement, là, elle a bien. Oh putain, moi aussi. On est pas mal, mais on prend cher. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre un steam. Ça me fait baisser mon bout totalement. C'est pas trop mal. Ok. Le même système, vous allez rester ici. Reste. Allez. Ne pointe pas ça sur mamie. Rex. De s'en sortir. On a fait notre sauvegarde. On va essayer d'apporter la bestiole ici. Ça, ce n'était pas prévu au programme, vraiment il aurait dû me suivre. Quoi qu'il en soit. Voilà, ça c'est réglé. La tête a fait boum. Oula, attention, ils sont deux quand même. Voilà. On va prendre deux risques inutiles. On devrait pouvoir les pouler un par un, je pense. Je les entends.
qu'ils vont remonter? Ça, c'est la question que l'on va se poser. Voilà. Hop. Oh, on est pas mal quand même, on a tué quelques-uns. Il y en a un autre. 5, 6. Parce que là, j'en ai quelques-unes quand même. Devrait être en mesure de pouvoir le terminer. Rex. Rex, s'il te plaît. Suis-moi, Rex. Come on, come on. Fall back, Rex. Très bien, Rex. Tu restes ici, tu ne bouges pas. En fait, Rex est un chien-chien qui est un peu fou. Il a tendance à courir après l'ennemi et à le chercher en vain. Lui, il cherche la bagarre, il s'en bat les couilles. Il peut mourir, il s'en fout. Mais il peut vous faire tuer aussi. Donc, nouvelle sauvegarde. Pour l'instant, on s'en sort pas trop mal. Allez. Attention. Ça me tue en faire bouger là, non? Oh, merde. Moi j'ai rien fait, moi c'est pas moi. Mais tu vas le finir, tu vas le finir. Change de mode mec. Putain mais que 76 d'XP c'est une blague. Putain je pensais pas qu'il allait y avoir une merde griffement ici. Eh bien, je vais te finir. Mamie a un cadeau pour toi. Oh, putain, respiration. J'en tremble. Ok, un paquet de cigarettes, vous êtes les yeux que je vais me débarrasser. Ok. Donc tout le monde peut me suivre. Ouah. Je pense qu'il doit rester juste un gamin là. Un jeune griffe mort. Il devrait pouvoir se le faire tranquillement. Léo, à toi de trancher! La zone est clean. Du coup, Rex. Pourtant, il me tue, non? Mais Rex, il a bugué. Il dit putain, j'ai tué une mère. Prochaine étape, donc sur ma carte.
presque fait le tour. Faut vraiment que toi tu restes là. Je pense que Gilly, il va mettre un peu plus en avant. Ne t'éloigne pas. Et on met en place notre technique World of Warcraft. Le temps que va pouler. Oh putain. Toi ne bouge pas. Viens voir ton papa. Je vais travailler une petite lettre ici. Tranquillement. T'es ceci. Putain, y'en a d'autres qui arrivent. Passer dans mon viseur, ça m'arrangerait. Il est passé. Il est passé et Rex, comme d'habitude, il fait chier parce que du coup, Lily, elle va pas pouvoir y aller. Comme il y en a un. Ici le chien, tu recules tout de suite. Recule. Tu recules ici. Tu fais pas chier. On est en caché. Okay. Il est où l'autre griffe-mort grâce à ma super perception magique? Un gros aussi, hein. Il y avait une femelle, peut-être un mâle aussi. Putain. Et ça a l'air d'être un mâle en plus. Ou oh, alors attendez là, parce que là. Putain. Le mal, ça où est ça? Ça te tire de la panique. Il arrive. C'est chelou ça. De se cacher de mamie. Tiens, c'est un coup, est-ce qu'il m'attend dans un coin dessus? Et là je l'ai touché. Et là, je l'ai touché, il devrait venir à moi. Oh, il est quand même pas si intelligent que ça. Baiser, hein. Je vous le dis. Camon. Bon, il court plus vite que moi. Bon, après, s'il veut crever comme ça, c'est...
putain, le chien, non, le chien, il va pas. Que tu vas avoir 50 solutions, il va falloir que tu fasses tomber mon gars. Okay. Je vais peut-être pouvoir te sauver, c'est pas sûr. Kizaku. Pour toi. T'as au moins gardé le casque. Du coup, faut que je libère 44 choses. Eh ben putain, on a quand même réussi à la buter, à buter tous ces connards qui étaient là. On respire un peu mieux quand même. Parce que moi, je vous avoue que là, j'étais... Je respire. C'était... Pour moi, c'était l'enfer. De cet endroit très rapidement. J'en peux plus psychologiquement, je n'en peux plus, je m'en vais, je veux fuir cet endroit tout de suite. Je ne veux pas un rip-hop de griffe mort, je veux juste sortir de cet endroit traumatisant où je ne mettrai plus jamais les pieds. Juste au cas où je plante, au moins ça plantera au bon endroit. Et là, on se barre tout de suite. La caverne est faite. Objectif accompli. Putain, merde, senti. Alors, tu paumes, putain. Des griffes morts qui étaient dehors. Oh putain, j'y ai cru, con. Non, ils sont morts. Ok, de toute façon, on se casse. Hop, carte du monde. Là, je retourne directement à Good Spring, déposer tout ce que je viens de gagner. Eh bien, écoutez, c'est sur cette belle victoire que nous allons nous quitter. Le stress était là. Je vous ai donné quelques gouttes de sueur. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive vraiment dans New Vegas. Là, on est tombé sur du lourd. Clairement, donc sans armure assistée en mode one again, prudence et mère de sûreté. Donc, je vous remercie à tous et à toutes, c'est bien d'avoir suivi cet épisode du stress, cet épisode de la peur. Et nous on se dit à très bientôt pour la suite de nos aventures. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, et on se dit à très bientôt. Donc, à ciao.